Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter mes 5 méthodes divinatoires que j'utilise le plus. Donc, il en existe un nombre incalculable. On disait même que Mademoiselle Lenormand utilisait des méthodes divinatoires des fois totalement farfelues, même si celle qu'elle utilisait le plus c'était le petit Étella. Mais voilà, on nous raconte des trucs de fou, mais pourquoi pas, parce que voilà, c'est de l'art. De l'art, c'est en rapport avec notre sensibilité. On utilise notre sensibilité, à chacun sa sensibilité, à chacun sa façon de voir les choses, les conseils, les messages des guides, l'avenir, à chacun sa méthode. Et puis voilà, les méthodes sont multiples. D'ailleurs, il y avait Jonathan de la Lune en Noir qui avait présenté un livre sur les différents arts divinatoires et qui était quand même assez conséquent. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et quand j'ai besoin, je fais mes petites recherches sur Internet. Donc voilà. Donc moi, je vais vous présenter les 5 méthodes que j'utilise le plus. Alors la première méthode, bien sûr, vous en doutez, on va la faire tout de suite, comme ça après on est tranquille, c'est la cartomancie. Cartomancie, je dis bien, c'est la mancie, donc essayer d'avoir des informations, des conseils, des messages, et carto en lien avec les cartes. Donc là, ça peut être tous les systèmes, Petit Lenormand, Béline, Tarot, tout. Moi, j'analyse voilà, tout, il n'y a pas de... Voilà, j'aime tout. Donc là, je vous montre le Magic Luna parce que c'est celui que j'ai utilisé le plus cet été et que j'utilise le plus en particulier parce que c'est vraiment un oracle divinatoire que j'aime, qui est simple, qui est facile. J'aime beaucoup aussi sa créatrice, donc du coup, ça aide aussi. Et j'aime énormément ce jeu. Je l'ai pris pour aller en vacances, je l'ai utilisé pour faire des tirages à ma famille. Ouais, ce jeu est top. En plus, vous pouvez bénéficier toujours de la promo de 30% de réduction avec le code SAB30, donc SAB en majuscule 30 collé, sur son site internet. C'est valable sur un seul jeu. Si vous voulez aussi le Love, parce qu'il est valable sur le Magic Luna et le Magic Luna Love, mais un jeu à la fois. Donc, si vous voulez les deux, il faudra faire 2 commandes. Vous aurez moins 30% sur le jeu. Donc, moins 30%, ce n'est pas négligeable. C'est un jeu auto-publié et les cartes ont été imprimées en France hein, quand même. Donc, voilà, c'est pas rien. Et puis, 30%, ben, je vous avoue que quand on est collectionneur, ça fait du bien. Et moi, je le conseille. Je vous avais fait une vidéo hein, sur mes oracles pour débutants et je vous l'avais conseillé. Et avec les couleurs très peps, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était idéal pour l'été. Mais je vous avoue, je l'utilise toute l'année. Parce que d'ailleurs, je crois bien que je n'ai plus acheté de jeu divinatoire. Non, je crois que j'en ai plus acheté en oracle. J'ai acheté beaucoup de tarots, j'ai acheté oracle de guidance, etc. Mais des oracles divinatoires, voilà, de ce style-là. Depuis que j'ai le Magic Luna, j'en ai pas encore acheté, donc pour vous dire. Et là, mercredi avec mon meilleur ami, on a fait une séance de divination, un après-midi complet, même la soirée aussi, parce que on a fait de 4h à 7h30, et ensuite on est parti manger, on est revenu à 22h, de 22h à minuit. Donc, chacun faisait des tirages pour l'autre. Et moi, j'ai utilisé le Penta Oracle et avec des étalements que mon meilleur ami avait choisi dans une liste d'étalements. Et j'ai utilisé le Penta Oracle et franchement, trop génial. Les illustrations, la mise en scène des personnages permet vraiment d'avoir des informations super intéressante. Et en plus, regardez-moi le truc, alors ça c'est en plus, regardez-moi ça, des tranches violettes magnifiques et un certificat d'authenticité. C'est un jeu qui est numéroté, imaginez un petit peu. Donc c'est un super jeu, c'est pas rien. Alors le prix, bien sûr, il est quand même pas donné, c'est un jeu auto-publié.
Et si vous voulez, bah, vous pouvez aller voir la review que j'en ai faite. Et je vous ai mis en barre d'infos de cette review le lien, mais peut-être que je vous rajouterai là aussi dans cette barre d'infos-là, le lien vers Audrey alias Aura Kinzel sur les réseaux, parce qu'elle fait des séances d'achat groupées. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo avec les autres jeux que j'ai achetés grâce à elle. Et on économise beaucoup sur la livraison et surtout sur les droits de douane. Donc du coup, c'est hyper intéressant de passer par elle. Et en plus, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce jeu, parce que sans elle, je n'aurais jamais eu connaissance de ce jeu. Et pourtant, c'est un jeu qui me correspond totalement. Voilà, j'arrête là pour la cartomancie, parce que s'il faudrait que je commence à vous parler de tous mes jeux, on en a pour 10 ans. Donc on va s'arrêter là, et on va passer à la deuxième méthode de divination que j'aime beaucoup, c'est le pendule. Mais le pendule, je ne l'utilise pas que pour la divination, je l'utilise pour la divination, c'est vrai, j'utilise parfois pour m'amuser aussi, je lui demande dans quel tas je dois choisir mes cartes, et je fais ça plusieurs fois jusqu'à avoir un petit tas, hein, bien sûr. Je sais pas, voilà, je m'amuse aussi avec ça. Bien sûr, ce sont des questions oui-non. Mais celui-là, il est aussi émetteur de rayonnement, on va dire. Hein. Émetteur, il est émetteur et récepteur. Et du coup, je peux aussi rééquilibrer mes chakras avec. Voilà, j'utilise plein de planches que je trouve sur internet et que j'imprime. Franchement, c'est fun aussi. Je vérifie le taux vibratoire. J'aime bien aussi ça, mon taux de vibratoire à moi, mais aussi taux vibratoire de mes pierres. Et comme ça, j'ai pu vérifier que mes purifications et mes rechargements avaient été efficaces grâce à une planche où on a un cadran avec les taux vibratoires. Et donc, c'est super intéressant, rééquilibrer les chakras et tout, c'est super, c'est top. Moi, j'adore le pendule. Ensuite, troisième méthode de divination que j'adore également, c'est la tasséomancie. La tasséomancie, c'est l'art... Oups, mon bouquet de fer en bougie qui est tombé. La tasséomancie, c'est l'art de voir l'avenir, ou d'avoir des conseils, hein, comme on pratique, à travers les feuilles de thé. Et donc, j'ai acheté deux tasses qui ne servent uniquement qu'à ça, avec des symboles pour aider à l'interprétation. Bien sûr, le plus intéressant, c'est de voir les formes à l'intérieur avec les feuilles. Hein, quelles formes les feuilles nous permettent d'avoir des informations. Donc, j'en ai deux. La première, c'était celle-ci, qui est un petit peu plus petite d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté la plus grande. Et des symboles différents. Et avec la petite, j'ai eu aussi un livre. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la méthode. Mais c'est aussi grâce à deux vidéos. Il y a deux youtubeurs qui ont fait des vidéos que j'ai regardées, c'est Jonathan de l'œil dans le noir, on a peut-être d'autres, hein, mais moi j'ai regardé celle de Jonathan de l'œil dans le noir et celle de Chloé licorne indigo. Voilà, parce qu'ils expliquaient bien, c'était passionnant et voilà. Donc, les choses mystérieuses que je vois quand j'étudie l'avenir dans le thé. Voilà, toutes les choses mystérieuses que l'on voit à travers les feuilles de thé. Alors, je vais quand même pas tout de suite finir parce que souvent, je complète quand même avec ce jeu-là pour les feuilles de thé. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je galérais à interpréter les symboles. Je ne connaissais pas assez bien. Et ce jeu, en fait, j'utilisais pour lire la symbolique. Voilà, parce que je vous montre. On a des cartes rondes comme ça, et on a le symbole, on a le nom du symbole et on a sa signification. Donc je me suis entraînée à voilà, je me dis bah, qu'est-ce que la clé peut vouloir dire. Bon, la clé c'est facile parce qu'on l'a dans le petit Lenormand. Le pain, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Le pont, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Le pont cassé, le pont brisé, etc. 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 Vous voyez, puis en plus c'est rond, donc c'est original. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les cartes rondes. Et ensuite, et bah, carrément, j'ai fait une nouvelle méthode. C'est Donc, je bats mes cartes. Attention, il y a beaucoup de cartes. Il y en a une centaine. Hein. Je coupe la première au-dessus. Je la mets ici. Et seulement après, je mets ma tasse au-dessus.
Et je mets mon eau, mon thé, je tourne, je pose ma question, je tourne, voilà, je bois, ensuite je tourne, je retourne, je tape trois fois, etc. Et seulement à la fin, je vais chercher la carte qui était en dessous. Vous voyez? Et des fois, j'en rajoute même autour. Comme ça complète bien. Hop, 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 j'en mets autour de la soucoupe. Donc ouais, j'utilise ce jeu comme ça. Donc c'est un jeu qui me sert uniquement la TCO Vinci. Donc j'en ai deux, donc je compte bien faire des vidéos d'ailleurs, des fois de guidance générale avec mes deux tasses. Comme ça, vous aurez le choix entre deux tirages. Ensuite, quatrième méthode de divination, on arrive presque à la fin, c'est l'avant-dernière. C'est la lithomancie. La lithomancie, comment j'ai eu l'idée? Parce que je suis fan de pierre. J'ai voulu me faire un pochon au lieu d'avoir des charmes, j'ai voulu avoir des pierres, en fait, si vous voulez. Ça coûte plus cher, hein, parce que chaque pierre, j'ai dû l'acheter. Je les ai achetées exprès pour le pochon, avec, bien sûr, c'était réfléchi, hein, dans ma tête, les significations. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis quand même servi d'informations que j'ai trouvées sur le net. Donc, il y avait tout un article sur la lithomancie, depuis quand ça existe. En fait, c'est un art extrêmement ancien, hein, parce que l'analyse des pierres, ça date d'il y a très, 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 très longtemps. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris que ce n'est pas forcément des pierres ou des cristaux comme là. Ça peut être des pierres que vous trouvez dans la forêt, sur la plage, etc., etc. Il faut bien sûr qu'ils aient une forme différente ou une couleur différente. Voilà, il faut quand même que les pierres se distinguent, hein, pour avoir des significations différentes. Moi, j'utilise bien sûr les significations des cristaux au niveau spirituel, mais j'utilise également leur forme ou leur couleur aussi. Et j'utilise avec un tapis et je lance mes pierres sur le tapis. Comme ça, je vois quelle pierre tombe dans quelle catégorie, finance, travail, amour, etc., etc. Et donc, j'attribue des significations aux pierres. Et je me suis aussi aidée de la Bible du tarot, parce qu'à la fin de la Bible du tarot, on a plusieurs pages, je crois que c'est deux ou trois pages, où on nous explique l'utilisation des pierres, la correspondance avec les arcanes majeures du tarot. Et dans le guidebook aussi d'un jeu anglo-saxon, ou pareil, on nous explique la correspondance, les correspondances entre les pierres et les arcanes majeurs du tarot. Donc, je me suis aussi servi de ça, en fait, pour dans mon esprit. Il y a des pierres aussi qui sont en lien avec des cartes du Petit Lenormand, comme ici vous avez la chiastoïte. Alors, je vais essayer de voir qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, la chiastoïte, en fait, elle a une croix. Toutes les chiastoïtes ont une croix au centre. Et je l'utilise pour symboliser le chemin, la carte du chemin d'un petit Lenormand. Donc c'est une carte d'hésitation, ou de croisement, ou de choix à faire, voilà, des choses comme ça. Ensuite, j'aime beaucoup, c'est la pyrite, parce que la pyrite, c'est une pierre qui est très dure. Et c'est une pierre qui est carrée, je l'ai eue comme ça, elle était cubique comme ça. Donc ça m'a beaucoup plu parce que du coup, on a le symbolisme, hein, de ce qui est carré, ce qui est bien très stable. Voilà, l'équivalent de la maison dans le Petit Lenormand, par exemple. Et puis, on a aussi la signification de la pyrite, qui est une pierre qui apporte l'abondance, la prospérité, voilà, l'argent. C'était surnommé d'ailleurs l'or des fous parce qu'à l'autre fois, on confondait ça avec une pépite d'or. Voilà, donc voilà, on prend en compte sa forme, on prend en compte la pierre en elle-même, sa signification. Donc voilà, par exemple, ici l'apophyllite est toujours pyramidale, donc on a la symbolique de la pyramide aussi, en plus de la signification de l'apophyllite. Et ça, je kiffe, quoi, parce que j'adore les pierres, donc forcément, c'est un pochon que j'ai créé il y a déjà un bon petit moment, mais il faut encore que je rajoute des pierres dedans. Ensuite, la dernière méthode va peut-être vous paraître complètement what the fuck, mais en fait, j'y avais déjà pensé parce que je vois beaucoup de personnes utiliser les runes.
le Fussark, le Futhark, donc l'équivalent de l'alphabet nordique. Mais moi, je me suis dit, mais nous aussi, on a un alphabet. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? Puis l'idée m'est passée comme ça, comme une fulgurance, est repartie aussitôt que elle est arrivée, cette idée. Bon, elle est tombée. Puis un jour, je regarde une série sur Amazon Prime Video. Et cette série s'appelle Nosferatu. Donc, pas le film, hein, vraiment la série, elle est assez récente, elle date de 2009, je crois. Il y a deux saisons. Moi, à l'époque, je regardais, j'avais vu la première saison. Et puis, dès le premier épisode, j'ai accroché. Mon personnage préféré, c'est une fille qui a des capacités médiumniques et qui utilise les lettres du Scrabble pour avoir des mots-clés, des mots qui vont lui permettre d'avoir des messages. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, elle met ses lettres de Scrabble dans un pochon violet. Donc moi, j'ai sorti mon plus beau pochon violet que j'avais. Et moi, j'ai pas utilisé les lettres de mon Scrabble parce que j'avais pas envie, voilà, d'éliminer ce jeu-là ma série de jeux de société. Surtout qu'en plus, c'est un jeu, le Scrabble, c'était un jeu avec lequel je jouais quand j'étais avec ma mère autrefois, donc quand elle était encore parmi nous. Donc, j'ai pas envie, voilà, de saccager le jeu ou voilà. J'avais envie de garder ce jeu-là. J'avais pas envie de racheter un jeu de Scrabble. Et puis un jour, je me balade chez Action et là, je vois une petite boîte, à peut-être 2-3 euros, qui contenait plus d'une centaine de petits carrés de bois avec des lettres dessus. Il n'y avait pas que des lettres, il y avait aussi des chiffres d'ailleurs. Et j'ai mis les chiffres de côté et j'ai gardé les lettres. Et donc, en fait, dedans, vous avez plein de lettres de l'alphabet. Et en fait, j'ai déjà utilisé pour moi. Et pour mon meilleur ami mercredi d'ailleurs, le pochon, mon pochon avec mes lettres. Et en fait, je tire, donc je pose la question, comme dans la série, je pose la question. Moi, je tiens le pochon comme ça. Je pose la question. Ensuite, je souffle à l'intérieur du pochon. Et ensuite, je touille. voilà, je mélange mes lettres. Et puis je tire un nombre aléatoire. Alors des fois on peut dire bah, 7 lettres, 5 lettres, ou alors prendre une poignée, ou alors n'en prendre qu'une, parce que vous trouverez sur Internet également les significations symboliques et divinatoires des lettres de l'alphabet. J'ai été choquée, moi j'ai fait la recherche et j'ai trouvé des informations. Le A, c'est plutôt positif, négatif, qu'est-ce qui peut vouloir dire? C'est la première lettre de l'alphabet, c'est en forme de pyramide, avec un étage, enfin bref. Il y a plein de choses à analyser, j'ai trouvé ça mais alors super intéressant. Donc là, par exemple, message du jour. Voilà. Je mélange. Message du jour. Alors, bon bah là, on est mal barré parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de voyelle. Alors des fois, il peut arriver qu'il nous manque une lettre ou deux. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ce n'est pas forcément exact, exact. Mais en tout cas, le premier mot qui nous vient en tête, ben, on le prend. Là, je voyais MP, message privé. Ici. Voilà, on n'a pas de. On n'a pas de. On peut rajouter après un prompt, on fait comme on veut. Hein. Alors, il peut manquer des lettres, il peut y avoir des fois, il y a des fautes d'orthographe aussi. Une fois, j'ai eu un mot, mais en fait, il n'avait pas la lettre. Il y avait une lettre qui n'était pas la bonne. Ça faisait une faute d'orthographe, mais bon. Voilà. Et après, bon, on s'amuse à essayer de trouver un mot. En fait. Et c'est souvent quand on bouge les lettres, bah, des fois, il va y avoir un mot qui va nous venir tout de suite en tête. Et ben ce mot-là, il faut le garder. Même si on n'a pas toutes les lettres, c'est pas grave. Donc là, pile, par exemple. Après, voilà. Après, ça demande de la concentration aussi, hein, ce truc-là. Voilà. Mais bon, moi, j'aime bien m'entraîner à ça. C'est pas le plus facile. Parfois, ça parle, parfois, ça parle pas. Moi, j'ai demandé comment développer mon intuition. Je
pense que c'est parce que je suis pas concentrée, mais comment développer mon intuition, j'ai eu calme sans E, donc C-A-L-M, et j'ai eu foi, F-O-I, vous voyez, en un seul tirage. Donc j'ai trouvé ça super percutant, et en meilleur ami, pareil, on a eu, il manquait certaines lettres, mais on a eu quand même des mots assez intéressants. Donc voilà, les lettres de l'alphabet qui remplacent finalement les runes, parce que moi les runes, pour l'instant, je ne les sais pas. J'ai commencé à les apprendre en vidéo, mais je ne les sais pas encore. Et du coup, je préfère utiliser les lettres de l'alphabet. Après, on peut très bien en tirer qu'une, par exemple. Hop. Ah bah là, c'est le E. Donc là, on peut chercher un mot qui commence par un E. On peut analyser le E. Donc là, on a une barre et puis trois barres comme ça. Donc on peut nous dire que peut-être, on pose bien sûr une question précise, hein, c'est mieux parce que sinon, après on parle dans tous les sens, mais le E peut nous dire qu'il va y avoir plusieurs étapes pour réaliser son projet, par exemple. Après, on peut tirer une lettre à la fois. On a encore un E. Donc c'est répété. Ensuite, on a un K. Donc là, on a une barre avec deux barres sur les côtés. Et vous trouvez la signification sur Internet. La signification divinatoire des lettres de l'alphabet. Alors, il faudrait que je recherche, parce que je devais les écrire sur un cahier, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, il faudra que je recherche tout ça et pourquoi pas vous faire une petite vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que... Donc là, je vous ai présenté les 5. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi d'autres? Ça m'arrive des fois de lire dans la cire de bougie. Ça m'est déjà arrivé de lire... pas grand-chose. Ouais, la fumée d'encens. Non, ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, grosso modo, voilà. Mais comme de toute façon, je suis passionnée de cartes, souvent, ce sont les cartes qui prennent, toute la place aux autres méthodes. Les autres méthodes, c'est vraiment de temps en temps que j'ai utilisé, à part le pendule que j'utilise quand même assez souvent. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la méthode que vous utilisez le plus souvent. Si vous avez déjà essayé, hein, bien sûr, tout est une question d'expérimentation. Moi, je vous encourage à les essayer au moins une fois, voir si ça vous plaît ou pas. Alors, une fois, peut-être pas, parce que vous voyez, c'est comme l'alphabet. Au départ, ça parlait, c'était difficile. Au départ, c'est un peu comme si ça ne me répondait pas. Il faut être très concentré. Il faut bien tenir son pochon, bien penser à la question, bien tirer. Là, je l'ai fait un peu à la wall again. Du coup, vous avez vu, hein, ça m'a répondu wall again aussi. Donc, il faut être vraiment bien concentré, bien... essayer plusieurs fois avant de se dire si oui ou non, finalement, vous accrochez ou pas avec cette méthode. Voilà. Mais vraiment, s'il faudra en choisir trois, bah, la cartomancie, le pendule. Ah, après, j'hésite. Je mettrai quand même les pierres en premier et après la tassiomancie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, partager avec moi quelles sont les méthodes que vous avez déjà essayées, qui sont originales. Peut-être comme ça me permettrait d'avoir des nouvelles méthodes pour moi. Voir celles que vous préférez, celles que vous aimez le moins, etc., etc. En tout cas, je pense que je vais utiliser davantage ces méthodes assez originales. Pour les prochaines guidances générales. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.